Bon, les amis, jour 2. Bon, aujourd'hui, moi, je dois aller au travail. Je dois taffer. Et du coup, enfin, ça sera des vlogs séparés. Moi, je vais taffer au travail là-bas, ce que moi, je ferai et tout. Shai, elle va vous taffer. Enfin, elle va vous montrer, enfin, vite fait, ce qu'elle fera ici. Franchement, aujourd'hui, ça sera pas une journée. De ouf en fait, c'est le travail, enfin le travail et puis voilà quoi. Donc c'est parti. Ouais, j'arrive bientôt au taf là. J'ai très mal à la poitrine ici, je sais pas pourquoi. Donc j'arrive bientôt au taf. Ma figure, j'ai même pas mis la crème. Oh, ma figure, faites pas attention. Donc là, j'arrive au taf dans genre 3-4 minutes. Et dommage, je ne pourrais pas vous vloguer le taf. Déjà, je ne peux pas travailler avec mon téléphone. Je peux pas travailler avec mon téléphone dans les mains et tout. C'est pas autorisé. Donc, voilà. Et donc, voilà un peu les amis. Donc, on se capte tout à l'heure, certainement, à ma pause. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop. Des douleurs horribles au ventre, mais bon, c'est pas ça qui va me fatiguer. Là, Flo est parti au travail, moi je suis à la maison avec les enfants. Je pense que je vais rien faire de ma journée. Mais à part l'après-midi, je vais sortir avec ma soeur et tout. J'ai essayé de vous filmer quelques trucs de ma journée, mais je pense pas faire grand chose à part ce soir quand Flo va rentrer dans la maison. Donc, allez. Voilà ma journée. C'est ça. Les enfants. Donc, j'ai même pas encore fait le ménage. Je suis tellement épuisée. Je suis à ma pause, wesh. Ça doule. Ça doule en fait. Genre. Tchè! Yeah. Hey, ne me jugez pas, il est mal fin. Yeah. Il est mal à la tête même. Yeah, comment mon visage a changé de toute façon. Je sais pas. Je sais même pas ce que Chayel fait de son côté et tout. Que je l'appelle. Je l'appelais pour voir, mais je lui ai envoyé un message. Bon, ben là, je sors avec les deux filles, ma soeur. On va marcher un peu, on va aller à l'action. Marcher un peu, parce que voilà, rester à la maison, c'est chiant, c'est fatiguant, c'est cool. Regardez pas ma tête. Hein. Bon, là, je rentre à la maison. Je suis avec Mohamed même. Mohamed, fais un coucou. Enlève le masque. Mohamed, fais un coucou. Voilà, on va manger avec Mohamed ce soir. Donc, à tout à l'heure. Je finis de boire l'eau. Je bois l'eau, non. Je finis de crier. Salade de fruits. Je dis, je vais manger en mode salade de fruits. Oh, c'est pas. Oh, pas. Tu jeûnes ou bien tu fais la vie? Moi, je jeûne, mais je jeûne là. Donc pourquoi tu veux? Tu t'attends à manger. Tu jeûnes, faut prier. Au lieu de te battre, prie encore. Ah Seigneur, si tu as permis qu'il n'y ait pas à manger, c'est ta volonté. C'est parce que tu me réserves quelque chose de plus. Tu as dit si tu as permis, mais il n'a pas permis. Il a permis, il n'a pas permis. Il y a chose pour Dieu, je sais ce qui se passe avec Dieu. Alléluia. Tu aurais pu dire non, mais tu es venu, non. C'est que c'est Dieu qui a permis que tu viennes. Et quoi? Non, s'il n'y a pas à manger, tu manges pas. Et quoi? Bon, là, comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de faire des brochettes de bœuf. En fait, je sais pas, mais aujourd'hui, j'ai tellement la flemme. Bon, aujourd'hui, je vais faire des brochettes de bœuf et tout. Il y aura encore ma soeur, mon frère et puis Mohamed. Donc, du coup, voilà. C'est ce que je peux dire pour le moment.
Coucou les amis. C'est l'heure de la routine. Mohamed, il a déjà mangé 3 gâteaux. Mmh, il est là. Vous avez vu, non? Il a dit que s'il n'y a pas à manger, il va se battre. Voilà, manger. Ouais, manger là. Il est en train de manger. Et allez. Ah, t'as quoi? C'est chaud. Mais attends, tout le monde va manger là. Hein? Là, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Voilà. Qui nous donne la force de faire le jeûne encore demain. Amine, Amine, coupez les discours, c'est bon comme ça. Mangeons. Bon, le jour 2 bouclé. Nous, on s'en va manger. Au revoir. Vous voyez, ils sont rassasiés. Regardez Mohamed. Comme il a fini de couper, il a rempli les jeunes, il a rassasié. À la peine. En fait, le monsieur là. Quand vous mangez là, c'est mauvais. Donc, à la fin, le monsieur là. Vous avez dit le vieux là, en fait. Les amis, on est sur le troisième jour. Je suis mal fatigué. Moi, je suis en train de partir à l'église. Je vais accompagner Mohamed aussi. En fait, on a fini de manger, non? Quand on a fini de manger là? On n'a pas dormi, hein. On a joué Monopoly jusqu'à 4h du matin. 4h du matin, on est resté là. Moi, j'ai fait un montage vidéo. Mohamed, lui, il était assis, il ne faisait rien. On est resté là jusqu'à... C'est à quelle heure on a dormi? À 6h30. On a dormi à 6h30, on s'est réveillé à 7h50. Genre, en gros, on a dormi 1h20 comme ça. On a dormi 1h20, on s'est réveillé. Allez, à nous, allez. Moi, je m'en vais à l'église. Je pourrais dire merci à Dieu. Mohamed, lui, s'en va chez lui. Il s'en va dormir. Donc, bon. Le soleil.
Donc bon les gars, on fait ça, on se capte. À tout à l'heure. Chai, elle, je vais laisser, elle va être dehors là-bas. Bon, moi j'ai fini l'église, je rentre à la maison. J'ai bien prié le Seigneur. M'a bien écouté aussi. Je sens que les bénédictions, mes bénédictions arrivent. Oh Seigneur. Allez à l'église, priez le Seigneur de temps en temps. Pas de temps en temps, tous les jours même, parce que c'est très 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 important. Le Seigneur qui est là, là. Il n'oublie pas ses enfants. Donc là, je rentre à la maison. Je vous avoue que franchement, ça va quoi? Ça va. J'ai pas... Jean, moi, je croyais que Jean, j'allais avoir faim jusqu'à coucher, jusqu'à... À part hier où c'était un peu chaud là. Bon, aujourd'hui, ça va. Tranquille. Hein. J'ai pas... Ça va quoi, tu vois? En tout cas, là, je vais rejoindre Shai et les petites du coup à la maison. Je sais même pas ce qu'elles ont fait aujourd'hui. Bah, vous allez voir ça. Que je suis revenu, Shai dormait. Et donc, elle n'a pas pu enregistrer, elle n'a pas pu vlogger. Et comme moi aussi, je vous ai dit, on a dormi à... Je sais même plus quelle heure. On a dormi à 6 heures pour se réveiller à 7 heures. Je suis parti à l'église et tout. Donc... Quand je suis revenu, j'ai dormi, on n'a rien vlogué jusqu'à ce qu'on commence à cuisiner, ben, du coup pour rendre plus jeune. Voilà. T'as eu attention. Papa, tu fais quoi? Je fais foufou. Bon, aujourd'hui, on n'est que nous deux. Du coup,
on a fait que du foufou pour manger entre nous à la maison. Du coup, on n'est que trois. Je pense qu'il y a Chayana aussi là-bas. Voilà. Et j'avoue que c'était tranquille, quoi. Moi, franchement. Donc, moi, tu peux le faire tous les jours. Hein? Oui, mais bon, c'est bon comme ça. J'ai fait trois jours, c'est bon. Donc, voilà, j'ai tenu à mon pari. Mais en même temps, ça m'a fait du bien parce que moi aussi. Parce que moi aussi, enfin, j'ai tenu, moi aussi ça m'a fait du bien parce que moi aussi j'ai jeûné, j'ai pu prier, demander des choses à Dieu, tout ça, enfin, voilà. Donc, vraiment, bon Ramadan. En tout cas, félicitations à Dieu. Bon Ramadan à tous ceux qui continuent le Ramadan, force, non, courage. Attends, c'est sûr qu'il va le faire encore, hein. Le Ramadan est encore loin de se terminer. En tout cas, je suis tellement fière de lui. Franchement, trois jours. Bon, allez, nous on va manger. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez qu'on fasse des choses genre 72 heures en train de faire ci, 48 heures en train de faire ça, mettez en commentaire, lâchez des pouces. Regardez ma tête. Je suis mal pouillé. Allez, que Dieu vous garde. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bye.